Hello tout le monde. Je suis fatigué. J'ai mal aux dents. Un plaisir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un unboxing. Oui, puisque j'ai gagné à un concours sur Instagram, donc l'Instagram de Miss Suzette, que je mettrai en barre d'infos. J'ai reçu le colis ce matin, je l'ai ouvert. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu dans le colis. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est ma toute première vidéo unboxing. Je sais pas comment ça va donner au montage, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Il y a pas mal de produits, donc je suis content, voilà. Merci beaucoup à Géraldine de m'avoir envoyé ce colis aussi rapidement. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis vraiment très heureux de t'avoir découverte sur YouTube et sur Instagram. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir un jour puisque ben, c'est ce que je souhaite. Mais en attendant, je vais déballer le colis que tu m'as envoyé. Je t'ai dit également en DM Insta que j'allais en faire une vidéo, donc la voici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en bas, juste ici là, et activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite après l'intro et c'est parti! Alors, on va commencer par quoi? Oh, il y a beaucoup trop de choses! Alors, on va commencer par ça. Voilà, cette palette qui s'appelle Once Upon a Palette de chez Sephora. Le packaging se présente comme ceci. J'ai pas swatché les fards, je n'ai pas. J'ai juste fait une photo avec un rouge à lèvres qui est juste là que je vous présenterai juste après. Voilà. Waouh! Oh, j'adore! Regardez comment c'est cute. C'est trop mignon. Et on va découvrir, enfin vous allez découvrir en même temps que moi. Oh, waouh, c'est magnifique. Voilà, les fards se présentent comme ceci. Alors, attendez, je vais enlever le film de protection. Ah bah non, c'est bon, je l'ai enlevé. Voilà, les fards se présentent comme ceci. Donc il y a en tout 20 fards à paupières. Attendez que je reprenne le packaging. Oh, on ne voit plus. Il y a 20 fards à paupières aux effets mat et nacrés, allant de l'indispensable beige au brun profond, en passant par des taupes délicates, des aubergines audacieux et des cuivres éclatants. Elle révèle ensuite un fard à joues, une poudre de soleil et un enlumineur pour un teint éclatant. Complétez le tout avec une touche de rouge à lèvres velouté sans transfert, teint 01 Always Red pour un look parfait. Donc le rouge à lèvres qui est juste ici, donc qui était ici là. Voilà. On va en swatcher quelques-uns. Swatchons celui-ci. Waouh! Oh waouh! Ah, c'est magnifique! Couleur qui se présente comme ceci. C'est un cuivré. Cuivré qui tire sur le violet. Deuxième fard que je vais swatcher, c'est celui-là. Oh là là! Oh! Voilà, mais en tout cas, c'est des fards hyper pigmentés. Facile à travailler, me semble-t-il. Je vais essayer de faire un look pour une photo Instagram ou peut-être une vidéo make-up en crash test de cette palette-là. Mais en tout cas, la palette, elle est magnifique. Il y a un petit miroir, enfin un petit miroir, gros miroir. Franchement, merci beaucoup, Géraldine. Tu m'as beaucoup gâté. Rien que cette palette-là, ça me fait plaisir. Je m'attendais pas à plus. J'ai vu tous les produits qu'il y avait à gagner ben, dans ce colis. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à moins parce que ouais. Et franchement, je suis très surpris. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que tous les produits que j'ai ici dans le colis, vous les retrouverez bien évidemment dans la barre de description. Ensuite, on va passer à ceci. C'est les sticky notes. Voilà, qui se présentent comme ceci. On dirait que je fais de la ASMR. En plus, je ne supporte même pas la ASMR. Ah, oui. Ah, oui. Donc, c'est des petits stickers. Bon, j'ai rien ouvert. J'ai pas envie de faire trop de bruit.
Et ça se présente comme ceci. Il y en a plein, 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 plein. Et j'aime beaucoup. Oui, ça vient de chez Emma. Voilà. Hema. Emma. Donc voilà. Et là, je viens de remarquer que je n'étais pas cadré. Attendez, j'ai reçu un message. C'est qui? Ah. Voilà. Bref. Et donc, c'est les stickers de chez Emma. Et puis voilà. And sweet! Bah tiens, on va parler de ce rouge à lèvres là. C'est le rouge velouté sans transfert Cream Lips Stain en teinte 01 Always Red. Je vous ai fait une photo Instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à venir me joindre sur Instagram pour voir toutes les photos. Voilà. Je vais vous re-swatcher au niveau de la teinte. Voilà. Ça se présente comme ceci. C'est un beau rouge, un beau, beau, beau rouge. Bon, je suis désolé, hein, j'ai eu un gros problème avec ma carte SD. Donc, je vais me manier pour finir de unboxer le colis avec vous. Ensuite, on va passer à un gros shampoing de 100 ml, voilà, de cette taille-là. La marque, c'est Love Beauty and Planet. C'est à l'huile de coco et ylang-ylang. Donc, je ne connais pas. Je vais le tester. C'est un shampoing qui répare le cheveu. Alors moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux, ça va pas trop mettre, ça va pas m'être utile, pardon, mais on pourrait essayer. Voilà. Ensuite, nous avons un masque pour les cheveux de la marque Coco and Eve, qui s'appelle Like Virgin. I'm real not the first time. Voilà, ça se présente comme ceci. Et au niveau de la contenance, nous sommes à 30 ml. Et ça sent la noix de coco. Voilà, c'est super agréable. Voilà. Je suis désolé au niveau du cadrage, mais j'essaye un maximum de me manier cul pour que ça ne coupe pas. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'avec le petit carnet, il y a ce petit stylo. Il est trop, trop mignon. Il est rose pâle avec deux petits pompons bleu vert et rose. Voilà, comme ceci. C'est magnifique. Merci. Ensuite, on va passer. D'accord. On va passer à une crème exfoliante pamplemousse de chez Sephora. Ça se présente comme ceci en forme de gourde. Il y a 70 ml de produit dedans. C'est une crème qui contient des micro-perles gommantes pour désincruster les pores, éliminer les cellules mortes et affiner le grain de peau en douceur. Débarrasser des impuretés et de l'excès de sébum, la peau est plus lisse et plus lumineuse. Voilà. J'ai reçu des boucles d'oreilles, voilà, que je vais donner, bien évidemment, parce que mes oreilles ne sont pas percées et je ne mets pas de boucles d'oreilles à la base. Voilà, qui se présente comme ceci. La marque c'est iam.com et des boucles d'oreilles en forme de plume, si je me souviens. Ouais, c'est ça, en forme de plume. Voilà, se présente comme ceci que je vais donner à une de mes amies. Je vais vous voir. Et ensuite, on a quatre mini vernis. Si j'en fais pas tomber un, voilà. Quatre petits vernis de chez OPI. Donc on a un bleu. Oh là là! Donc on a un bleu canard, voilà, qui se présente comme ceci. On a un jaune moutarde. Ensuite, on a un rose pâle qui se présente comme ceci. Et nous avons un noir qui se présente comme ceci. Et enfin, dernier produit avant que ma caméra recoupe, il s'agit de cette trousse. C'est marqué Summer Vibes. La trousse vient de chez. Je sais pas d'où elle vient. Si je retrouve la référence, je vous mettrai en barre d'infos. Mais la couleur, les couleurs, donc bleu, blanc et doré, c'est sublimissime et c'est parfait pour embarquer le make-up quand vous partez en voyage. C'est le principe. C'est bon, c'est la fin de cette vidéo. J'essaye de me manier le cul avant que ça coupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!